Faciliter l'accès aux soins aux populations à des coûts réduits, c'est tout le sens de la vision de la direction de l'hôpital méthodiste d'Abou. Dans cette lancée, cet institut de santé vient de se doter d'une unité de hépatogastro-entérologie équipée d'une colonne d'endoscopie digestive. L'inauguration de cette nouvelle unité s'est tenue le mercredi 23 novembre 2022 à l'hôpital méthodiste de Dabou. Avec l'appui financier de la communauté évangélique d'action apostolique CEVA, cette nouvelle unité vient renforcer la coopération entre cette structure internationale et l'hôpital méthodiste de Dabou. Le projet Solidarité Santé, il a été voulu par la CEVA, mais aussi par l'Église vaudoise d'Italie. Et il nous a semblé vraiment utile d'asseoir aussi cette dynamique de projet Solidarité Santé autour de tout l'accompagnement pastoral que les aumôniers des structures peuvent faire. L'hôpital de Dabou, dès le départ, parce que bien structuré, bien géré, déjà bien équipé, a fait figure d'hôpital pilote. Cette ouverture du service d'endoscopie, elle est vraiment possible grâce au financement du 8 pour 1000, mais surtout aussi autour d'une équipe de direction solide et soudée qui veut faire de cet hôpital un lieu de diaconie et de rayonnement pour l'Église. Et cet hôpital méthodiste de Dabou s'inscrit pleinement dans ce projet diaconal et il vient en appui au témoignage de l'Église dans la société ivoirienne. La CEVA, Communauté d'Églises en Mission, est une institution qui regroupe plus de 38 pays qui ont épousé la vision de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à savoir l'évangélisation par les actes. La CEVA, ce n'est pas une ONG. La CEVA, c'est une communauté. Et cette communauté, c'est vous et nous. C'est toi et moi. Et cette communauté est répartie en Amérique latine, en Océanie, au Pacifique, en Europe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Nord. Ces églises sont ensemble. Et ces églises, chacune a sa contribution à apporter. On met tout ensemble dans le même panier. Et quand on a tout mis ensemble, on tient compte maintenant des besoins des églises. Et puis on dit, bon, l'EBC nous a formulé une demande, on peut leur apporter ceci, on peut leur apporter cela. Donc ce que vous donnez, vous devenez des missionnaires en Amérique latine, en Océanie, au Pacifique. Vous devenez des pieds sur le chemin de la mission. Vous devenez des mains de bénédiction. Vous devenez des bouches pour la proclamation de l'Évangile. Estimée à hauteur de 50 millions de francs CFA, l'unité de hépato-gastro-entérologie vient conforter l'hôpital méthodiste de Dabou à sa place d'institut sanitaire de niveau 3. Nous avons fini avec le service, l'unité d'hépato-gastro-entérologie. Il faut voir aussi au niveau de la radiologie comment doter cet hôpital d'un scanner, au moins 16 barrettes, une structure de niveau 3 avec un bloc opératoire, avec des interventions de césarienne, tout cela à faire. Il est important de penser à un service de réanimation. Nous sommes en train de travailler à cela avec l'appui du conseil d'administration, du conseil de santé et de l'Église pour pouvoir réaliser tout cela au niveau de cet hôpital pour donner à cet hôpital le plateau technique qui le sied. La nouvelle unité de hépato-gastro-entérologie vient comme un ouf de soulagement pour les populations de la région des Grands Ponts qui bénéficient de soins de qualité à moindre coût sans se déplacer. L'hôpital méthodiste de Dabou a été toujours un hôpital de référence. Il continue de renforcer sa notoriété à travers l'installation de services de pointe, notamment l'unité d'hépato-gastro-entérologie. La dite unité permettra à l'hôpital de jouer un rôle majeur dans le développement du département de Dabou en offrant des soins de qualité. Au nom du bishop Benjamin Boni, le très révérend Akeiso a adressé les remerciements de l'Église à la CEVA pour ce geste salutaire. Lorsque l'Église ou une communauté comme la CEVA s'occupe de tout l'homme, je crois que c'est de la volonté de Dieu. Et c'est au cœur de l'Église. C'est la mission de l'Église, la mission première de l'Église. Et surtout que vous situez votre action dans le cadre de l'évangélisation. Et vous savez que celui qui adore l'évangélisation par les actes, j'ai nommé le bishop Benjamin Boni.
Et la CEVA répond bien, n'est-ce pas, aux desiderata de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ici, à l'hôpital, nous ne cessons, au nom du bishop, d'attirer l'attention du DG sur ce que nous pensons être juste pour la population de Dabou et de toute la Côte d'Ivoire. Avec ses 4 années d'existence, l'hôpital méthodiste de Dabou demeure un hôpital d'honneur pour la vie.